Alors, je suis correspondant informatique et liberté pour l'instant, parce qu'avec le règlement général de la protection des données à caractère personnel, je vais devenir ce qu'on appelle un délégué à la protection des données. Voilà. Donc, ça consiste à être le chef d'orchestre de la protection des données à caractère personnel au sein du département de la Corrèze. Alors justement, c'est qu'il y a une telle évolution numérique dans le monde que l'Europe a décidé de sortir ce règlement général de la protection des données à caractère personnel, même si il y a la loi informatique et liberté qui existe quand même depuis 40 ans et qui avait exactement la même mission. Maintenant, le RGPD rassemble tous les pays d'Europe et approfondit cette protection en changeant les missions, c'est-à-dire que nous étions dans une logique de déclaration à faire auprès de la CNIL et maintenant on rentre dans une logique de responsabilisation de chacun par rapport à la protection des données à caractère personnel. Donc chaque collectivité, chaque administration, chaque entreprise, chaque association va devoir gérer ces données à caractère personnel en suivant les règles du règlement général de la protection des données. La sensibilisation au sein du département, je la fais effectivement dans chaque direction pour que les agents aient effectivement bien connaissance de ce que c'est une donnée à caractère personnel déjà, et puis une donnée sensible, parce qu'il y a des données sensibles, et pour savoir effectivement comment ensuite on peut le mettre en place et ce que ça implique comme responsabilité de chacun, parce que ça concerne chacun, effectivement, et chacun est acteur dans cette protection.